Télé Lumière de Gloire, une émission qui l'a cap montré nous comment pour nous prêcher efficace. Pour une meilleure préparation, connecte-toi avec Télé Lumière de Gloire. Bon Dieu béni nous, grâce pour Dieu couvrir nous. Moi dis bon Dieu merci encore parce que lui permet que moi j'ai une chance, opportunité ça, nous capable présenter nous une autre émission encore pour la gloire de Dieu, qui c'est comment pour capable apprendre à prêcher efficace. Vous même qui besoin apprendre à prêcher en façon qui efficace. Et bien, moi invite vous suivre l'émission Sayo ensemble avec moi dans Télé Lumière de Gloire. Et bien, moi assurer que vous arrivez à atteindre l'objectif que vous avez besoin pour la gloire de Dieu. Avant nous avancer plus loin, nous allons prier pour nous capables de commencer pour la gloire de Dieu. Seigneur, moi je vous remercie. Merci pour grâce, merci pour ce que vous faites, continuez à faire pour moi. Moi, je vous remercie parce que vous permettez, moi, j'ai une opportunité encore pour être capable de continuer avec l'émission. Ça. Et bien, demande au Seigneur que cet esprit va couvrir moi, comme ça, tout ça, moi, va dire, va bagaille qui édifier et qui peut transformer cœur dans le monde. Va bénir chaque monde, cher Seigneur Dieu, qui toujours suit vidéo ça, qui partage et qui mette en pratique. Mais demande au cher Seigneur Dieu, va entourer nous. Ou va couvrir nous avec grâce, pour que Saint-Esprit ou guide nous. De faire ça comme ça, au nom de Jésus qui vive et qui a régné au siècle et des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Moi, exalter nos bon Dieu encore parce que lui permettent, moi, j'ai une opportunité pour nous capables là, nous capables d'avancer avec l'émission ça, pour nous capables. Continuer à aider au mieux comprendre la Bible, qui c'est la parole de Dieu. Donc, on n'est pas facile parce que les gens font effort pour capable mieux comprendre la Bible. Ça peut mettre un pile esprit de découragement dans ou même pour ta faire décourager. Donc, moi, encourager au bon Dieu, continuer et couper ça ensemble avec moi, continuer dans la carrière, ça nous y est. C'est une formation comment pour apprendre préparer un message bien capable de devenir un prédicateur leur prêcher pour un message capable édifier et qui charge avec efficacité. Amen. Pas oublier nous toujours en dans homilétique là et on va apprendre à partager en pile idée qui pour aider au grandir qui pour aider à avancer vers l'avant pour la gloire de Dieu. Nous te ouais trois types de préparation de message. C'est ça nous te ouais dans vidéo passée hein. Trois types de préparation de message. Si c'est pour la première fois que ou la vidéo ça, moi conseille ou à checker première vidéo numéro 1 sur façon pour mieux comprendre parce que si c'est pas ça, vous capable arriver comprendre très bien parce que sous quoi vidéo ça c'est numéro 11 donc imaginez uniquement entrer dans numéro 11 là. C'est difficile pour capable comprendre nature, base, préparation et un message qui est efficace. Donc, je conseille de suivre l'autre vidéo et puis pour capable de comprendre l'arrivée dans la vidéo qui est en plus avancée. Et sous thème moyen, nous disons c'est trois types de préparation de message. Trois types de préparation de message. Premier type pour déjeuner, c'était le message écrit. Le message écrit. Notre ouais, il est pas bon, il est pas qualifié, il est pas nécessaire pour mettre en application parce que il y a plus les là-dedans qui ca et permettre que le public là rentre dans discussion et permettre que le message là pas porter un bon résultat. Nous te joindre deuxième type de préparation à pas bien entendez bien, on va dire trois types de messages non, mais dit type de préparation. Ça veut dire trois façons pour préparer un message. Deuxième façon de jouer, c'est le message squelette.
le message squelette. Donc, nous te voyons, type de préparation message squelette là, c'est le même qui bon, c'est le même qui recommandable pour un prédicateur choisi pour capable préparer un sermon. Donc, si vous voulez plus d'informations, checkez dans la vidéo qui est basée sur le message squelette là, ou avez toutes les informations des messages squelette là qui s'acquiert dans la nature, tout bagarre net pour capable mieux comprendre. Et puis je dis, nous gagnons un troisième type de préparation de message là, c'est lui-même nous va le développer. Je dis à qui c'est le message improvisé. Le message improvisé. Donc c'est lui-même nous va le partager ensemble avec je dis à. Donc moi j'espère que vous prêtez nous toute attention, vous capable mieux comprendre et puis vous capable vivre et produire des fruits, fruits qui agréables, qui vont alimenter des nations à travers la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse, à nous avancer. Le message improvisé. Ce style de message est spontané et présenté ordinairement sans notes au moment où il est délivré. Les différents types de messages, les prédicateurs n'ont pas le prêché, il n'y a pas aucun note de base qui est écrit du tout. Il n'y a rien qui est écrit, rien, etc. Seulement, il ouvre la Bible, les passages là, et puis le message là démarre. Le type de message, ça, il est le message improvisé. On voit. Souvent, le prédicateur a passé beaucoup de temps à réfléchir sur son sujet et son cœur et sa pensée sont remplis des aspects vitaux du dit sujet. Ce style est souvent utilisé pour délivrer des sermons basés sur l'inspiration. Attendez bien, parce que nous pas seulement lire, mais il faut que nous fassions des analyses qui pourraient mieux comprendre. Ça veut dire type message improvisé à lire souvent prédicateur basé sous inspiration. Ça veut dire depuis ouvrir Bible là bon Dieu par inspiration bon Dieu inspiré dans tout ça pour être capable de dire. Bah un problème non. Il y a un monde qui a fait mais il m'a dit un peu prudence faut que premièrement faut qu'on maturité, faut qu'on gagne connaissance de la Bible et puis faut ou gagne une relation qui proche avec Saint-Esprit mon Dieu. C'est-à-dire disons improviser, par exemple si on parle improviser en musique, quand on est comme campé là, m'a fait une improvisation, m'a fait improviser en musique, on va prendre chaise là puis moi improviser en musique sous lui, sans pas écrire, m'bat coordonner et lettres yo et cetera du tout, seulement uniquement chanter. C'est comme ça un message improvisé lié. On bagarre pas préparé, on bagarre pas écrit, mais seulement inspiration yo a venir dans l'esprit ou inspiration yo a venir dans tête ou et bien inspiration ça qui venir et puis ou même on va dégager. Ouais, on va dégager. On va prendre un exemple par exemple une musique improvisée. Par exemple, on va dire Jésus est venu, il est venu sur la terre, il est mort, il est ressuscité, et il est venu ressusciter, il est monté dans le ciel, et puis il a préparé une place pour nous. Ça, c'est une musique improvisée, je vais improviser une musique. Pour qui ça m'improvise? Parce que je vais écrire. Juste pour qu'on ait l'histoire, Jésus est venu, il est venu mourir, et ressuscité, etc., il est monté dans le ciel, il a préparé une place pour nous. Et puis, je vais improviser une musique. C'est comme ça qu'il y a un type de message improvisé. Un prédicateur, on va du côté, ça arrive très souvent. Et c'est ça que fait. Moi, tu es conseiller secrétaire et, ou administrateur, comme membre comité de l'église, etc. L'un mettez un prédicateur sous programme, surtout secrétaire, là, c'est pour nous aviser le bonnet, plus ou moins une semaine. Parce que ça souvent passe les. Il y a peine pour un prédicateur. Le prédicateur n'a pas de connaître à le prêcher. Le livre dit, ah, c'est vous-même qui avez un message. Vous entendez?
li pa gen rien te préparé, c'est un message li pral improvisé. Ouais? Mais côté message improvisé arrivé. Après, pendant mon avait improvisé, il a dit un bon bail qui parle là, il a fait irel, il commence à gauche, il finit à droite, il commence en l'aile, finit à terre, il commence à terre, finit en l'aile, parce qu'il n'a pas gagné une préparation de base. Mais un prédicateur, c'est style message par ça même. Parce que sacré les préparations, il n'y a pas quoi là-dedans, il n'y a pas là-dedans, il n'y a pas par là-dedans, etc. Monsieur Bonda, la Bible a même demandé faut que nous préparions. Même dans le ciel, pour aller dans le ciel, il faut que vous préparez. Si vous ne préparez pas, vous sous terre, vous pouvez aller dans le ciel. Vous pouvez aller dans le ciel. Ça veut dire préparation, nous venons dans toute bagaille, net, nous jouons dans tout, nous jouons dans toute intégralité. Chers frères prédicateurs, donc, moi, je voulais dire, pour être capable de préparer. Préparer. Donc, si vous ne préparez pas, eh bien, ou qu'arrivé, ou ben on pile bagay qui pas correct. Et c'est ça que on souvent ouais, on bande prédicateur, on bande évangéliste, toujours relé derrière moun. Nous avons dit amen. Et pour ça nous passe ici. C'est sur la chaîne nous est, nous pas sur bon Dieu, nous pas dans le ciel. Pourtant c'est pas vrai. C'est ça mon abdia qui pas correct. C'est ça qu'a dégagé dans l'ia qui pas normal. Il y a une fois nous avons blessé les gens dans la raison de ça pour grand merci. Pour qui ça? Manque de préparation. Alléluia. N'a pas avancé. Ce style est souvent utilisé pour délivrer des sermons basés sur l'inspiration. Cette méthode permet de présenter les messages évangéliques de manière très efficace. Ce sermon coule du cœur et est souvent délivré de manière très émotionnelle. Pendant que dit message la cassette efficace, c'est comme ça tout dit une cassette très émotionnelle. Parce qu'il y a un bon bagage émotion qui cassette la langue parce que c'est un bagage qui va improviser ou pas gagner une préparation. Ce type de message peut être captivant et stimulant lorsqu'il est présenté par un prédicateur compétent et expérimenté. C'est très important. Si le prédicateur là, c'est un prédicateur qui est compétent, c'est un prédicateur qui est expérimenté, ça veut dire qu'il y a une expérience, beaucoup d'expérience dans ça que les prêcher ou les préparer message, il est capable de faire, il est capable de réussir. Mais si ce n'est pas un prédicateur qui est compétent, qui est expérimenté, mon cher, nous voyons un bouillon qui est mélangé avec sauce poire qui est tchakaladan, qui est petit mi, qui est blé, etc. On mange un mélange. C'est ça que le mieux et plus important pour nous utiliser le type de préparation message squelette là. Alléluia. Ce style touche les émotions et informe l'esprit. Il présente toutefois deux faiblesses. La première étant que ce type de message manque souvent de substance. Ouais. Il en résulte que les auditeurs ne sont pas édifiés. Ça veut dire que le message a souvent manqué de substance, il permet que l'auditoire ne soit pas édifié. Qui sont pensés si ou que Dieu mange et puis vous mettez tout ingrédient qui est nécessaire, mais manger pas de magie là-dedans. Ou bien manger pas de sel qui est un ingrédient qui est plus important dans manger. Parce que manger pas de magie, vous mangez, mais s'il va de sel. Très difficile. Avec auditoire, c'est comme ça, il y a tant de messages improvisés. Souvent, si le prédicateur n'a pas expérimenté, ils sont bons. Il y a tant de temps pour manger, qui a tout le bagaille, mais qui n'a pas de sel, de fat. Et qui n'a pas de capa, même fat, de capa, pas de rien même du tout. Rien même du tout. Gloire à Dieu.
Il arrive aussi que ce message soit délivré de manière trop émotionnelle. Il devient alors irrationnel et peu convaincant. L'irrationnel est peu convaincant. Ça veut dire, mais ça, les peuples qui convaincent trop de monde, les peuples qui bien convaincent le public, là, parce qu'ils sont barrés improvisés. On va si on bagaille wap improvisé. De ce fait, pour pas tomber dans bagaille ça yo, mieux vaut que ou choisir type de préparation message squelette là. Parce que gen ti note de base pour préparer qui est vraiment important, capable de songer et tout ça qui est autour de songer. Donc Frémio, moi j'espère que vous apprenez en pile avec nous dans le type de préparation message improvisé ça. Donc, on a fait un petit campé, on a pris une petite pause là et puis on a retourné tout à l'heure pour consigner avec émission ça pour la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse. Que grâce mon Dieu. Télé lumière de gloire, une émission qui l'a montrez-nous comment pour nos péchés efficaces. Pour une meilleure préparation, connecte-toi avec Télé Lumière de Gloire. Amen. Gloire à Dieu, nous exaltons le Seigneur. Moi, je dis, bon Dieu, merci. Nous retournons encore, nous veut dire merci pour patience, merci parce que vous avez toujours été là pour suivre nous, pour nous être capables de continuer à avancer avec l'émission ça pour la gloire de Dieu. Nous gagnons une question que nous pouvons quitter dans la vidéo ça, et puis, ou même, ou abandonner une réponse. Nous venons avec. Et petit programme ça en dedans et formation hein, qui c'est est-ce que vous te connaissez et si on question on va le poser et puis si vous connaissez on va dire oui vous te connaissez et puis on va prendre une réponse si vous pas connaissez tout on va dire nous ou pas connaissez qui est description pour nous en bas vidéo. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous te connaissez après combien d'années Jésus a commencé le ministère sur terre? Est-ce que vous te connaissez après combien d'années Jésus a commencé le ministère? Ou bien là, Jésus a commencé le ministère, combien d'années il a gagné? Nous avons quitté la question en l'air pour vous. Avant nos réponses, pour la gloire de Dieu, que bon Dieu bénisse. Allons avancer. Nous arrivons dans la phase, côté nous allons faire un résumé dans trois types de préparation de messages. Pas bien te dire, nous te joignons message écrit, qui est le premier type de préparation, et puis nous joignons message squelette, le message squelette, et puis troisième type de préparation, c'est le message improvisé. C'est les mêmes, nous sommes détaillés pour vous. Donc, nous allons faire un résumé dans trois types de préparation de messages pour la gloire de Dieu. En allant, je pense que le message squelette combine les avantages des deux autres styles. Captez bien. Les avantages des deux autres styles. Les notes sont assez courtes pour éviter au prédicateur de délivrer un sermon rigide. Il dispose d'assez de liberté pour être flexible et son esprit reste ouvert à l'inspiration, même pendant sa prédication. Ouais. Ça veut dire message squelette là les plus avantageux. Voyez, c'est lui-même qui est plus formel,
pour prédicateur là choisi pour préparer un sermon. Parce que malgré au fin gagner préparation de base écrit normal qu'on est là pendant on va délivrer le message là et puis bon Dieu ba inspiration mais ou déjà gagner base en préparer déjà gagner base en préparer donc pour mieux comprendre comment préparer un type message squelette al checker vidéo qui basé sur message squelette là et puis rejoindre plus détails ou à mieux comprendre pour la gloire de Dieu. D'un autre côté, il dispose d'un plan ordonné lui permettant de suivre une ligne de pensée. Il ne se contente pas de débiter au hasard des pensées sans aucun rapport. Ouais. Les notes squelettes peuvent être employées pour la prédication aussi bien que pour l'enseignement. L'enseignement exige d'ordinaire une couverture plus étendue du sujet. Ainsi, il faut absolument avoir des notes à la disposition. Il est difficile pour un professeur de découvrir un sujet de manière adéquate sans l'aide de notes. Ouais? Il est difficile pour un professeur capable de river gagner, alléluia, et couvrir un sujet d'une façon qui est adéquate sans pas gagner aussi des notes qui écrit. Suivez, un exemple. Suivez en pile, bon, grand prédicateur dans le monde, je vais citer dans quelques points. Voici le vatrio qui est en train de noter. Suivez pasteur Marcelo, un Africain. Après, il n'y a pas de carnet de notes, mais il utilise une tablette. C'est même pareil. En exemple, pasteur Amel Lafleur, suivant ces conférences, il pour toujours une note qui est écrite. Toujours pour suivre une conférence dernièrement, il y a aussi des petits bouchons même qu'il fait. Sur conférence. Ça veut dire tout point essentiel, toute idée essentielle. Il y a écrit. Et puis tout reste, c'est inspiration, bon Dieu, pas de bain. On ne peut pas uniquement faire comme ça pour le prêcher, on ne peut pas improviser, on va rester sans avoir que ou pas gagner des notes importantes pour capable écrire qui pour aider ou mieux développer les messages qui vont prêcher. De ce fait, je vous encourage à vous concentrer sur l'approche consistant à prendre des notes squelettes. C'est-à-dire des notes traçant un plan de message bien déterminé. Utilisez cette méthode au cours de vos méditations lorsque vous méditez sur la Bible. Prenez l'habitude de prendre des notes sous forme de codes au sujet de l'inspiration et de la révélation que vous recevez. Ça, c'est un conseil. Pendant que vous lisez la Bible, toujours battre pour un carnet de notes. Toute révélation, bon Dieu, barou de passage, vous lisez. Toute inspiration, Dieu, barou de lecture que vous finissez dans la Bible, prenez note, écrivez. Écrivez. Comme ça, vous avez une habitude, ça, vous avez préparé un message. Eh bien, on va gagner tout bagage important, tout outil important que vous avez besoin. Et bien, on va gagner au marqué dans un carnet de notes. Allons avancer. Ceci vous aidera aussi lorsque vous devrez construire votre message et aussi lorsque vous devrez le délivrer. Votre esprit s'habituer à suivre une ligne de pensée ordonnée. Eh bien, ceci vous permet aussi de vous exprimer avec plus d'essence et rend votre exposé plus facile à suivre.
Ouais, si vous faites ça, nous disons là, mon cher, c'est une grosse recette qui est là. Dès que vous pouvez lire la Bible, dès que vous faire une lecture, pour un carnet de notes. Et puis toute inspiration pour dire, dans le passage qu'on finit, écrit. Toute révélation que Dieu a dans le passage là, écrit. On peut avoir tout habitué, on bien habitué. Mais là, on peut préparer un sermon pour le prêcher. Ou pas bien une difficulté. Et on peut utiliser le type de préparation message improvisé. Parce qu'on a déjà une habitude préparer, marquer toute inspiration ou révélation que Dieu a dans un passage qui est au fil pour capable mieux comprendre la parole de bon Dieu et pour aider l'autre monde qui veut comprendre la parole là, pour aider à comprendre avec efficacité. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est sous notre ça, nous arrêter aujourd'hui. Hein? Moi, j'espère que vous apprenez en pile. N'oubliez pas seulement garder vidéo et partager, mais mettez en pratique. Et nous féliciter chaque monde qui partage vidéo ça, qui est de l'autre monde joindre, comprendre comment on peut capable préparer un message. Bon Dieu papa qui va bénir en abondance, grâce à mon Dieu papa qui va couvrir en abondance. N'est pas d'autre ou gagner ou mettre quitter un message pour nous en bas vidéo et puis nous-mêmes n'ap toujours disponible pour nous capables bah aux réponses pour capable mieux comprendre pour la gloire de Dieu. Nous parlons pas où thème nous va continuer dans l'autre vidéo nous va gagner yo. Nous parlons ouais qu'on y a sept types de sermons. Sept types de sermons. Nous te ouais trois types de préparation de sermons. Mais qu'on y a nous parlons ouais sept types de sermons. C'est ça nous parlons. Premièrement, nous gagnons le sermon textuel. Deuxièmement, nous gagnons le sermon thématique. Tenez bien, oui. Troisième, nous gagnons le sermon typologique. Allez, nous commençons à entrer très profond dans la formation. Hein? On espère que vous pas raté et formation ça parce qu'il y a aidé à comprendre la Bible en pile. Et puis quatrième, nous gagnons, nous gagnons le sermon explicatif. Cinquième, c'est va le sermon biographique. Alléluia. Et puis, le numéro 6, c'est va le sermon analytique. Et puis, numéro 7, c'est va le sermon analogique. Le sermon analogique. Donc, j'espère que ou pas rater parce que gain en pile bagaille, connaissance ou va riche. D'information ça en pile bagaille ou va apprendre avec nous et moi invité ou peut-être ça suivre vidéo ça yo. Fait l'autre monde béni à travers vidéo et comme ça ou même tout ou va béni plus pour la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse et grâce à Dieu entouré ou pas oublié ou sous télé lumière de gloire une émission qui l'a pour aider ou mieux comprendre la Bible pour aider ou capable prêcher une façon qui efficace et pour capable édifier dans le monde. Et bien c'est des frères Jean Luxen qui était là. Que Dieu vous bénisse, soyez richement bénis.